daddy be my baby girl, you make me feel it. It's so crazy for real, my baby daddy be. My baby, pourquoi tu me méprises? My baby, sans toi y'a plus de vie. Baby girl, you know, je suis dans toutes mes pensées. Baby girl, you know, my love is for you, babe. Baby girl, you know, sans toi ça ne peut aller. Baby girl, you know, I'm falling off, baby. Et là, un mec, putain de mec, j'en reviens pas. Pourquoi c'est lui, ma baby girl, et non pas moi? Pourquoi c'est lui qu'elle doit te tenir dans ses bras? Et why, c'est lui qui est ton roi. Bonjour, en fait, au nom d'Aïda Sibi, c'est lui qui m'a servi. Sa baby, voilà, j'arrive pas à réaliser. Baby girl, tu es, baby girl, tu sais. Baby girl, tu es la femme de mes rêves. Sans le mec, on sait. Le style musical, c'est le R&B. Le R&B, voilà quoi, associé à de la danse. Tout simplement quoi, le R&B, mon style musical. J'avoue que mon parcours a été quand même long. À la base, j'étais pas un rappeur, mais j'écrivais des textes au fait pour les gens qui rappent et tout. Et voilà, j'ai voulu m'essayer à la chanson et ça fait quand même un bout de temps quand même, mais c'est dernièrement que j'ai pris les cours de chant au Maroc avec une certaine dame qui s'appelle Christy Caron. C'est là maintenant que je suis arrivé à Annie, sinon à la base je suis danseur avec mon groupe Les Wild Breakers que tout Abidjan je crois connaît. J'ai été sélectionné pour Africa Star, émission Africa Star et tout, c'était pratiquement le meilleur groupe de danse au Côte d'Ivoire. Donc voilà, ils ont fait des tournées avec Renka et plein d'autres quoi. Donc voilà, là-bas je fais partie de ce groupe, mais je suis parti au Maroc pour mes études. Et c'est là-bas que tout s'est passé. J'ai été sélectionné pour être cohérent d'une émission Studio 2M. J'ai eu une surprise et voilà, je suis revenu là pour la sortie de mon album. Et j'ai beaucoup de surprises. Je reviens là du Bénin, du Togo. Et je pourrais dire qu'Abidjan a été à se préparer quoi. On va bouger. Elle a une forme de rêve, des yeux de rêve. Il y a bien eu beaucoup de difficultés. Déjà qu'à la base, j'ai tout commencé à faire tout seul, comme on le dit, parce qu'au début, mes parents n'y étaient pas, ils n'étaient pas bons. Et on a dû forcer. Après mon bac, j'ai été pratiquement exilé au Maroc, que j'arrête de faire tout ceci. Mais bon, j'ai persévéré, j'ai pu faire tout ce que je pouvais faire. Et les difficultés ont été beaucoup plus comme tout artiste, au point de vue financier on va dire, parce qu'il y a toujours des trucs à faire que je faisais tout seul, le studio, les clips vidéo, et voilà quoi. Donc il y a beaucoup plus de difficultés comme on le dit, et que tout artiste qui est débutant et qui sait ce qu'il veut, et qui n'a pas la bénédiction de tout le monde d'abord au départ, il y a tout le temps chercher ça et là, aller faire du porte-à-porte, demander à avoir des trucs ou des aides et tout, des trucs humanitaires. Bon, il y a tout ça qui fait que vers la fin, si tu sais pas ce que tu veux, tu peux facilement être découragé. Mais je pense bien que le succès, c'est quelque chose qui se cherche et c'est au bout du travail qu'on aura ce qu'on veut. Voilà, pardon, faut continuer. Tes lèvres me plaisent, your smile me plaît, ton sourire m'attire, ton corps m'attire. Et damn, baby girl, tu es divine, plus fort que moi, ma baby girl, tu me comprends. À l'endroit des jeunes, je ciblerai déjà les jeunes de Côte d'Ivoire. Parce que généralement, ouais, c'est vrai que la musique tendance actuellement, c'est le coupé décalé. Tout le monde, je suis pas un faisant de coupé décalé, mais j'aime le coupé décalé d'abord. On va dire et tout, j'ai des connaissances et tout. J'ai même de la famille dans le coupé décalé. Mais je veux juste dire aux jeunes du hip-hop comme moi, que au fait, ne pas se laisser marcher dessus. Parce que déjà, on est influencé par cette musique et le coupé décalé, j'ai oui. Mais il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de gens qui essaient de faire comme, je dirais pas comme moi, mais tous ceux qui veulent faire évoluer le mouvement hip-hop en Côte d'Ivoire internationalement. Donc ils n'ont qu'à prendre le dessus, se renseigner et essayer de voir comment faire pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, pour pouvoir choquer vraiment, que les pop prenne le pouvoir comme le groupe décalé a pris le pouvoir d'ici je sais pas depuis je crois 2008. Voilà quoi. Il y a beaucoup de bons rappeurs, il y a beaucoup de bons danseurs, il y a beaucoup de faiseurs de R&B, de musique et tout, mais bon, c'est juste une question de volonté et il faut oser. Avec le hip-hop, faut oser, faut juste oser et ça va aller. J'ai foutu à la porte ma meuf et je m'en bats. Tout ce
que je veux, bébé, te tenir dans mes bras. What I need, ma baby, pourquoi tu me méprises? Ma baby, sans toi y a plus de vie. Sors de mes pensées. Go out, my baby girl. Merci, c'est dans les bacs, all about me. What I need to feel you in my arms. What I need to feel you against my body. Mon mot de la fin, ça sera get ready, comme disent les Américains. Ça sera chaud. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Laisse le temps au temps et tu verras que quand tu vas laisser le temps au temps, ton temps arrivera. Donc ne te presse pas, fais ce que tu as à faire et tu verras que tes efforts seront payés. Peace. C'est un message à tous les jeunes de Côte d'Ivoire et d'Afrique qui me regardent là maintenant. Mr. All to the New. Peace. To feel you in my arms. What I need to sentir près de moi. Ma baby, puis sort de mes pensées. Ma baby, j'arrive pas à réaliser. Baby girl, tu es, baby girl, tu sais, baby girl, tu es la femme de mes sort de mes pensées.